Jean-François, s'il vous plaît, est-ce que vous avez trouvé un accord avec avec François? 5? Waouh! Bon, François, ça y est, vous avez trouvé un accord avec JF? Hein? Une solution, une porte de sortie, un truc, une info, quelque chose, non? Hein? Ça y est, du coup, alors ils ont trouvé un accord? Bah répondez, restez pas comme ça, j'ai l'impression d'être devant une photo, là. Est-ce qu'ils ont trouvé un accord, Jean-François et François? Et du coup, alors, Jean-François s'est embrouillé avec François. Enfin, François avec Jean-François. Enfin, ils se sont embrouillés. Et du coup, bah, on sait plus. Alors, c'est le bordel, l'UMP, le RUMP, ils parlent de... Enfin, bon, non, je t'assure, c'est un bordel. Tu verrais ça, c'est incroyable. Voilà, donc, en quelques mots. Donc, comme c'est un petit peu la continuité de ce que vous avez mis en place à une époque, je me suis dit à un moment, le général, lui, doit pouvoir, si vous avez un moment, éventuellement passer pour leur expliquer, quoi. Et du coup, ils se réclament tous les deux patron. Alors, bon, c'est pour ça que je suis venu te voir, parce que éventuellement, je sais que t'as quand même pas mal d'influence dans certains milieux. Je sais pas, nous filer un petit coup de main, nous essayer de les rencontrer, ou alors, je sais pas, nous envoyer quelqu'un afin qu'on puisse régler ce litige. Et donc, à ce moment-là, Jean-François dit « Ouais, ouais, ça y est, c'est moi qui ai gagné. » Mais François Fillon, lui aussi, dit « Non, non, c'est moi. Il y a eu des tricheries, je suis pas d'accord. » Du coup, embrouille des deux côtés. Alors du coup, François se ferme dans son truc en disant « Moi, je monte le RUMP. » Enfin bon, bah, on est au bord de l'explosion. Donc, et justement, bon, je voulais savoir si toi, bon, bah, t'es quand même un mec influent depuis des milliers d'années. Donc éventuellement, si tu pouvais pas intervenir pour essayer de... Tu vois? Et donc, voilà, donc, du coup, il y a embrouille. Alors, c'est pour ça que, bon, bah, je suis désolé de vous déranger pour une bêtise aussi bénigne, mais bon, comme je sais que vous, bon, bah, on vous écoute, hein, enfin, beaucoup de gens vous écoutent sur la planète, je me disais que vous pourriez faire peut-être une petite intervention. Bon, éventuellement, on vous dédommage, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, quoi, donc, ça serait sympa de votre part, si vous voulez.